l'introduction. Quel diable rouge est le plus bordélique dans sa chambre? Romelu Lukaku. Voilà, c'est sûr. Faut même pas aller dans sa chambre, tu peux même pas rentrer déjà. Pourquoi? Bah parce qu'il y a trop de... Il y a des chaussures, il y a des vêtements... Ah. C'est ça, c'est slick. Mais je vais lui apprendre à ranger. Mais moi non plus, je suis un peu bordélique, je dois l'avouer. Le plus blagueur. C'est Michy Batshuayi, je pense. Ah, moi, je croyais que c'était Benteke. Ah, mais là, il est pas en mode blaguer parce qu'il vient pas à la Coupe du Monde, alors il est un peu triste, je pense. Ah oui. Oups. Le meilleur danseur. Michy danse beaucoup. Non, il pense qu'il danse bien. Allez, on va dire qu'il danse bien pour lui faire plaisir. Le plus râleur. Oh, il y en a beaucoup, hein. Torgan, il râle. Mais il va pas l'avouer, mais c'est un gros râleur. Mais avec les Diables Rouges, ça va encore. Laurent Simon, il râle aussi un peu de temps en temps. Quand il est pas content. Ton meilleur copain? Bah, c'est Torgan, parce que c'est mon frère. Non, ça marche pas. Mon meilleur copain, j'en ai deux vraiment. Christian, mais malheureusement, il est pas là. Je m'entends très bien avec Marwan Fellaini, avec ses couches. Oui. Tu vois c'est qui, hein? Oui, oui. Ah, ça va. Le plus sage. Mais moi, bien sûr, évidemment. Le plus sage, le plus calme. Pourquoi? Parce que je suis le capitaine, alors je dois faire attention. Quand les gens ils sont un peu énervés, les autres joueurs sont énervés, je dois les calmer. Je dois faire beaucoup de choses en tant que capitaine. Je dois marquer des buts et je dois calmer les gens qui sont pas contents. Sur la RTBF, la Coupe du Monde, c'est l'épopée russe.